Et bonjour les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo spéciale encore, oui, comme je vous ai expliqué l'autre fois, on a rajouté un partenaire à la chaîne de la Mafia Nomade. On avait un partenaire que vous connaissiez, et là on en a rajouté un deuxième. Alors c'est le paquet qu'on est allé chercher l'autre fois à Oloron-Sainte-Marie. Je vous ai expliqué ce que c'était, je vous ai dit que c'était, j'avais levé le voile sur cette affaire, j'avais dit que c'était une caméra de recul, parce qu'avec moi, Salma et moi, on voulait mettre une caméra pour le bus, pour pouvoir reculer, et on a passé donc un partenariat avec une société qui s'appelle Alloview, qui est assez connue quand même, parce qu'on a vu beaucoup sur les réseaux, il y a déjà des caméras de recul qui ont été présentées, et nous, aujourd'hui, on va vous présenter la BT7, donc c'est la Bike Tango, c'est une caméra qui est sans fil, alors sans fil, pas sans fil à 100% parce qu'il faut quand même brancher les éléments et l'écran et la caméra en 24 volts, mais par contre la communication entre les deux se fait sans fil, donc du coup c'est plutôt pas mal pour nous parce que ça nous évite de tirer des grandes longueurs de câbles sur 12 mètres et la longueur en fait de communication entre l'écran et la caméra arrière est de 16 mètres, donc pour nous ça tombe plutôt pas mal parce qu'on fait 12. Donc on va faire ça, on va faire l'unboxing du paquet de la Bike Tango 7 et puis après on passera à la partie installation et ensuite on finira par la partie test. Ben oui, on fera le test de la caméra pour voir si ça marche bien ou pas. En plus de ça, c'est la BT7, elle a un écran TFT en couleur. Donc c'est plutôt pas mal, mais je vous montre ça tout de suite quand je fais l'ouverture du paquet, les copains. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bon, c'est parti les copains, on va faire l'unboxing, c'est parti, allez. Alors on a fait du... Hey, vous n'êtes pas derrière la caméra, il y a Stéphane qui pourra en témoigner. On a fait un montage de fou furieux pour pouvoir ouvrir faire l'unboxing d'en haut. On n'a pas de pied, on n'a pas de trépied. Haute voltige les copains, on s'en fout. Bon bref. Donc voilà. On va ouvrir le petit carton. Hop. Et je vais vous montrer avec quoi elle est livrée la caméra. Donc le pack complet de la BT7. On va vous montrer ça de chez Alloview. Hop, on va ouvrir ça proprement. Tac, 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 tac. Donc voilà. Bon, j'avais déjà ouvert, moi j'avais triché, hein, j'ai déjà regardé. Donc il y a le manuel, bien sûr, le manuel d'utilisation, le manuel d'installation. La première chose qu'on voit, hop, c'est l'écran qui est juste là. Donc c'est un écran, effectivement, voilà, hop, qui est ici. Donc avec les boutons sur les côtés. Alors après, je vous avoue que j'ai pas regardé le manuel encore, hein, je sais pas. Donc là, je me doute que c'est l'allumage, etc. On regardera après les options lors de l'essai en fait de la caméra. Et donc cette caméra, elle vient avec un petit câble comme ça optique qu'on vient raccorder derrière pour l'alimentation 24 volts. Voilà. Donc ça ira devant sur le bus au niveau de la tablette. Je vais la poser ici. Hop. Ensuite, on a la partie donc caméra arrière qui est ici. Donc la caméra qui vient se fixer à l'arrière du bus, qui est orientable, et ici qui laisse la place à l'antenne pour la connexion Wi-Fi. Et derrière, pareil, le trigger vient avec une connexion optique pour pouvoir raccorder aussi en alimentation la caméra. Donc il faudra trouver un point de 24 volts à l'arrière du véhicule pour pouvoir alimenter la caméra avec l'alimentation véhicule. Ensuite, hop, je vais le poser là. On a un pied qui vient ici, donc ça c'est le pied pour l'écran qui est orientable, qu'on va pouvoir donc l'utiliser pour fixer sur la tablette. Hein, l'écran vient se fixer à l'intérieur. On a toute la partie joint avec la visserie, etc. Pour pouvoir fixer pareil la caméra au niveau de l'étanchéité, il y a un joint qui est caoutchouc. Ensuite, on a les antennes de communication donc pour la connexion Wi-Fi qui sont deux pour l'écran et une pour la caméra. Donc, il y en a trois. Et ensuite, on a la partie câble d'alimentation. Donc là, on a les câbles d'alimentation en 24 volts avec les raccords optiques. Vous voyez, on a même un allume-cigare pour l'alimenter sur l'allume-cigare si on a l'allume-cigare devant. Bon, nous, on ne l'a pas. Donc, on l'a branché en direct sur le tableau de bord avec un interrupteur et une sécurité. Et puis après, on a tous les encadrages. Donc, un encadrage en métal qui vient autour de l'écran pour l'orienter, pareil, pour le tourner. Et on a un cache, je ne sais pas à quoi il sert lui, mais on trouvera son utilité. Voilà les copains pour ce qui est de l'unboxing de la caméra. Donc maintenant, on va regarder le manuel d'utilisation et puis on va passer à la partie installation. On va vous montrer ça de A à Z, les copains. C'est parti, je vais chercher mon électricien préféré, j'ai nommé Régis, qui va venir nous assister dans cette opération périlleuse. Et on va pouvoir attaquer la... l'installation les copains, allez c'est parti!
Bon les copains, on a un souci qu'on va essayer de régler. En fait, ça c'est la partie arrière du bus et en fait il y a la centrale qui gère toute l'électricité qui remonte du moteur. Et en fait, le perçage donc est derrière, hein, là où on a isolé derrière avec du polystyrène. Le perçage s'est fait derrière. Le problème c'est qu'il va falloir démonter en fait la centrale électrique en partie pour pouvoir récupérer le câble optique de la caméra. Parce que en fait là on peut pas l'attraper en fait. Et puis en plus c'est super dangereux de percer parce que là il y a les gaines techniques en fait en 24 volts qui du moteur qui passent juste derrière la plaque. Donc quand il passe le tournevis qui tape, on l'entend taper comme ça, mais on peut pas le récupérer parce qu'on n'arrive pas à passer les doigts. Donc il va falloir qu'on démonte la centrale électrique pour pouvoir récupérer les câbles de la caméra, les copains. Bon les copains, oui, alors vous avez vu, on a percé, donc on a installé la caméra à l'arrière, ça y est, hop, au-dessus de moi. Maintenant, on va passer à la partie technique, c'est-à-dire qu'il va falloir la relier à l'arrière, donc en 24 volts. J'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est une caméra qui fait 12-24, hein, elle fait les deux. Hein. C'est autant pour 12 volts, les circuits 12 volts, que pour les circuits 24 volts. Donc là, on va passer derrière, à l'intérieur du coffre technique, on va la raccorder pour lui donner une alimentation. Et ensuite, eh ben, on passera à la partie écran pour raccorder l'écran et on fera le calibrage des antennes Wi-Fi. Là, on a décidé de le mettre sur le contact, voilà, comme ça quand on coupe la clé la caméra s'éteint et elle reste pas alimentée parce qu'on aurait pu ici prendre une alimentation qui était générale. Le problème c'est que la caméra aurait tout le temps été alimentée et on voulait pas ça, enfin moi je voulais pas ça, donc du coup on l'a mis sur le contact, comme ça quand on coupe la clé la caméra derrière s'éteint et plus alimentée, et quand on démarre le bus elle reste alimentée. On viendra mettre un switch off dessus sur l'écran. Pareil, pour qu'on puisse, il est déjà installé, vous vous rappelez, c'est à l'époque qu'on avait installé les LED dans la calandre, on avait tiré deux interrupteurs, un pour les LED et un autre qu'on avait laissé de côté, et ben c'est celui-là qu'on va venir fixer sur, enfin qu'on va venir brancher pour l'écran devant. Voilà les copains, on va finir de brancher ça tranquillement. Il y a le fil vert, ah oui, je vous ai pas expliqué parce que moi je le branche pas. Il y a le fil vert là que Régis est en train d'attacher, ce petit fil vert qui est fourni donc avec les deux autres câbles d'alimentation plus et moins. Ça c'est pour raccorder à la marche arrière. Quand vous raccordez le verre à la marche arrière, et bien tout simplement la caméra en fait se met en contact et s'allume à l'écran. Voilà. Mais nous on l'utilisera pas parce qu'on a un interrupteur déjà devant qui permet d'éteindre et d'allumer la caméra. Voilà. Bon les copains, on est en pré-test. Hein. Stéphane il me dit bah t'as l'allume-cigare. Bah je lui dis non, j'ai pas d'allume-cigare sur le bus. Il m'a dit bah si, il y a un allume-cigare ici. Bah, voilà, bah oui, on le teste direct. Donc voilà, ça fonctionne. Alors là on a pris on prend la caméra infrarouge, du coup on le voit pas bien. Pourquoi je sais pas. Hop, on va peut-être éteindre la lumière là, bougez pas. Tac. Voilà. Donc caméra infrarouge, vous voyez, il fait nuit dehors, il fait totalement nuit. Hein. Hop. Et là, derrière, on a la vision nocturne au niveau du truc. Donc la caméra, on va voir, après on fera les réglages. Hein. Là, c'était juste pour tester parce que de toute façon, l'écran ne vient pas là, il faut l'installer devant. Mais c'était pour vous montrer déjà la qualité de la vision nocturne de la caméra. Voilà, on voit les petits moucherons qui passent devant. Voilà. On va monter l'écran TFT devant et puis on vous montre ça tout de suite après, les copains, une fois que c'est terminé. Bon les copains, ça y est, on a installé l'écran ici, hop, juste fixé sur la tablette et on l'a fixé. Alors moi j'ai décidé de le mettre sur mon petit bouton ici, donc on va l'appuyer, tac, on va l'allumer. Et hop, on a l'écran qui s'allume ici, donc qui est branché direct. Donc on va rentrer dans le menu les copains, donc dans le menu, donc là on est de nuit hein, bien entendu, mais c'est vrai que normalement on a accès à la caméra. Derrière il y a une LED qui est intégrée, je vais vous montrer, je vais l'allumer du coup, il faut descendre, hop, ici, cam LED, on vient l'activer. Ici, hop, et voilà, tac. Donc là, je garde la mémoire, je sors du menu, et voilà. Et donc là, vous avez la lumière extérieure qui est intégrée à la LED, et donc il y a l'écran donc, qui est rétroéclairé, enfin rétroéclairé, qui est de nuit, avec le mode nuit. Donc là, je vais monter, on va descendre, bah voilà, il y a Régis qui a mis les petits... Regarde mon cousin, il a mis la petite truc sur la tête de licorne, c'est mignon. Ouh.
Voilà, là je passe derrière le bus les copains et là vous allez voir, vous allez comprendre. Donc vous voyez, c'est rétro-éclairé ici, hop, la caméra, touc. Et là la LED à l'arrière, voilà, qui vient éclairer donc l'arrière du bus, le parterre. Et derrière, ça donne un rétro-éclairage à la caméra. Voilà. Donc ça, je l'active moi de nuit, effectivement. Après, de jour, il n'y en a pas besoin. Hein. De jour, ça marche automatique. Voilà. Donc là, on va faire un petit test. Je vais démarrer le bus, tiens. On va aller se balader sur le parking. On va faire 2-3 manœuvres. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. On va se faire une petite manœuvre. C'est qu'on va manœuvrer, tiens, pour rigoler. Donc ça, ça permettra. Ça... Ah, tiens, bah, on va prendre le pylône. Hop. On va reculer doucement. Donc derrière moi j'ai le poteau électrique, hein, vous voyez. Hop. Donc là on est dans la zone verte. La zone orange c'est la zone de sécurité. Hop. Et la zone rouge, il faut s'arrêter avant la zone rouge. Voilà. Donc là on est parqué. On va aller voir maintenant, on est dans la zone orange. Donc je vais descendre voir derrière. Je vais sortir du bus et puis je vais vous montrer au niveau de la caméra ce que ça donne. Allez, on va aller voir ça les copains. Voilà, bon, vous voyez franchement, elle est quand même assez juste, elle est quand même assez juste parce qu'on est garé dans la zone orange et on a quand même la zone rouge bah, de marge. Et vraiment, quand on est en bas de l'écran, c'est vraiment que ça touche le bus. Donc vraiment, on a quand même une grosse marge de sécurité. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal. La lumière s'est éteinte, tu vois, il y a un capteur au niveau de la lumière en haut. La lumière s'est éteinte parce qu'il y a la luminosité, donc du coup, là, il détecte la lumière. Et du coup, c'est nickel. Bah moi, je suis assez content, franchement, du résultat. Bon les copains, on va s'attarder sur le menu de la caméra. Oui, alors il y a un menu, il suffit d'appuyer sur le bouton M qu'il y a sur le côté ici. Alors on peut régler le volume, oui pourquoi? Parce qu'en fait derrière la caméra il y a un petit micro. Et avec le micro qu'il y a, on peut entendre ce qui se passe derrière la caméra. Moi je l'ai supprimé, mais on peut le laisser si on veut savoir ce qui se passe. Le pairing tout simplement c'est pour communiquer en fait. C'est pour faire le réglage de communication entre l'écran et la caméra. Le picture, c'est un menu qui est spécial. Bah, c'est un menu où en fait on peut régler en fait toutes les, bah, vous voyez, la luminosité, la couleur, le contraste. Et on peut activer aussi avec le menu, on peut activer aussi la caméra manuellement. C'est-à-dire que si on veut, on peut mettre un flash, la lumière LED en fait qui est derrière la caméra, on peut l'allumer manuellement. Donc c'est plutôt pas mal. Si on est arrêté sur un spot où on veut regarder derrière le véhicule, ça fait une lumière d'appoint. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le mode miroir. Alors, mode miroir, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, en fait, on peut régler la caméra comme on veut. C'est-à-dire soit la regarder comme elle filme, soit faire un effet inverse pour être dans le sens de la route. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'ai mis dans le sens de la route. Comme ça, en fait, je sais que ma droite, c'est bien la droite de la caméra. Le Q-Mode, c'est des écrans multiples. C'est-à-dire si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez relier jusqu'à, je crois, 4 caméras sur ce module-là. Et vous pouvez mettre après vos caméras comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre des caméras, vous voyez, une plus grande au-dessus, etc., etc. Moi, j'ai laissé sur le quadrillage traditionnel. Et puis, de toute façon, nous, on n'en a qu'une qui fonctionne, qui est branchée. Le Settings, c'est, vous comprendrez, réglage. On peut régler donc les caméras qui s'affichent à l'écran. On peut passer en PAL ou en NetCam et on a l'auto-dim, donc ça qui est important de laisser, c'est pour la version nocturne. Et le K-LED, pareil, qui lui, c'est la LED principale aussi qui s'affiche quand on recule.
Au niveau du menu, on a le scan. Alors ça, c'est pour trouver les sources des caméras. Là, pas d'utilité pour nous parce qu'on n'en a qu'une de branchée. Mais si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez scanner et il se branche sur les chaînes en fait où il y a les caméras qui sont actives. Là, on a le Parkline. Alors, le Parkline, c'est quoi? C'est la graduation en fait qui vous sert à reculer, par exemple. Hop, je vais vous montrer, c'est ça. Le Parkline, c'est ça. Donc, la zone verte, la zone orange et la zone rouge. Alors, il y a moyen de le régler ou de le désactiver carrément. Hop, je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez soit l'enlever, soit le mettre en position donc marche, soit l'ajuster, c'est-à-dire pour les réglages. Et après, vous avez le display. Le display, c'est si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez l'activer par exemple sur la caméra 4, mais pas l'activer sur la caméra 1, 2, 3 ou l'activer sur toutes les caméras, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est assez fonctionnel, hein, franchement. Vous voyez, même avec plusieurs caméras, ça marche sans souci. On a le système record. Oui, ça, c'est pas mal. Alors, c'est un peu comme les dashcams en fait. C'est-à-dire que vous pouvez y mettre, bien sûr, une carte SD à l'intérieur. Il y a le support qui est de ce côté. Vous pouvez mettre une carte SD et enregistrer ce qui se passe à l'extérieur quand vous roulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait office de dashcam. C'est super utile, par exemple, si vous connectez deux caméras. Une derrière pour la caméra de recul et puis un autre module caméra devant qui vous servira du coup de dashcam et qui enregistrera ce qui se passe sur la route. Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, vous avez le système Play qui vous sert à effectivement relire toutes les vidéos que vous auriez enregistré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'en ai pas. Donc, voilà, j'ai pas de carte SD, j'en ai pas mis. Le menu est assez complet. Alors après, il n'y a pas besoin de s'y attarder pendant 107 ans parce qu'en fait, c'est vraiment assez quand même basique et assez facile d'utilisation. Mais c'est quand même appréciable d'avoir quand même plusieurs options qui sont livrées avec ce système de caméra. Voilà les copains pour cette présentation de la caméra Allowhue BT7. Alors, sachez que bien évidemment, c'est une caméra de recul. Il y en a d'autres hein, chez Allowhue, hein, c'est suivant le modèle. Et vous avez plein de choses d'ailleurs. Vous avez la caméra et vous avez après possibilité d'acheter des capteurs infrarouges qui se collent sur les côtés des véhicules pour les bips de recul. Vous avez aussi les rétroviseurs caméra chez Allowhue qui sont aussi voilà. Mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet c'est la BT7. La BT7 à retenir, très intéressant en fait pour les grands véhicules tout simplement parce qu'il y a pas de câblage à tirer. On branche en 24 ou en 12. Et ça se fait la connexion automatiquement en Wi-Fi, donc c'est plutôt pas mal. Je vous invite à voir ce qui se passe chez Allowhue. Je vous mets le lien sous la description de la vidéo. Et pour la BT7, on est environ à 399 $. Ça fait à peu près 370 € pour la caméra. Alors moi, je trouve que franchement, par rapport aux qualités-prix, c'est vraiment quelque chose de très très correct. Ça fonctionne bien. Il y a très peu de latence. Hein. Franchement, de la latence, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un petit peu la nuit, bien évidemment, parce que la vision nocturne est un peu moins bien rapide que la qualité. C'est un écran 1080p, donc c'est quand même une résolution qui est quand même assez propre. Assez correct. Et la caméra pour les personnes qui la caméra, moi je l'ai pas payé entièrement, bien entendu, c'est un partenariat, mais j'ai payé 60 $ pour la recevoir. J'ai payé les frais de douane en fait pour la recevoir directement du constructeur chez Allowhue. Voilà, donc franchement je vous invite à voir ce qui se passe chez Allowhue. Allez-y voir. Moi je trouve que franchement c'est encore une fois d'équiper un véhicule, quand on équipe un véhicule il faut l'équiper avec des choses bien parce que sinon effectivement c'est vite prise de tête. Et là c'est quelque chose qui fonctionne. Moi ça fait à peu près 2 mois que je la teste la caméra et je m'en sers toujours. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Je dis pas que c'est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir reculer un véhicule parce qu'on peut très bien reculer un véhicule sans caméra de recul, mais pour se parquer surtout de nuit dans des petits spots qui sont un petit peu findus ou c'est un petit peu compliqué à se garer, je trouve que c'est quand même un atout qui est pas négligeable. Voilà les copains, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce sur la vidéo en dessous, hein, surtout pour aider à faire grossir la mafia nomade, c'est comme ça, vous le savez. Et puis on reprendra la prochaine vidéo pour l'aventure marocaine. La prochaine, voilà, je sais pas quand elle sortira, peut-être vendredi, normalement vendredi, on sortira la suite de l'aventure marocaine où on part de Meknès et on descend direction le sud. Voilà les copains, on fait des gros bisous, on vous aime et on vous dit à bientôt. Ciao !